Le problème qui se pose dans cette période de 3 mois, qui est une période de silence et une période de non-prise en charge, c'est que c'est la période qui est la plus difficile à vivre, en fait. C'est la période de mise en place des hormones pour permettre à l'embryon de s'implanter. Mais donc, le résultat de ça, c'est que il y a des symptômes qui sont colossaux et qui sont vécus par les femmes, qui ensuite se calment à l'issue de ce premier trimestre ou un petit peu après encore. Simplement, le fait qu'il n'y ait pas de prise en charge rend la vie très handicapante pour les femmes, notamment effectivement au travail, où elles sont prises d'accès de fatigue écrasant, de vomissements, de nausées, enfin des choses qui sont très 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 difficiles à vivre et à concilier avec une vie professionnelle. Et l'ensemble de ces symptômes sont totalement minimisés par la voie médicale, sont quand même désignés de petits maux de la grossesse, donc de plus, on n'est même pas légitimé à la ville par la rondeur d'un ventre qui correspond à des représentations qu'on a de la grossesse. Ce silence, ben, on l'explique par le fait qu'il y a un risque, et c'est vrai. Quand même un quart des grossesses, ou un cinquième selon les statistiques, s'arrêtent pendant cette période des 3 premiers mois de la grossesse. Donc il y a un risque. On comprend donc, et c'est un choix qui est parfaitement respectable, que les femmes décident de ne pas, ou les couples, ou un membre du couple, qui n'est pas nécessairement la femme du reste, décide de ne pas propager cette annonce de manière large, pour éviter de refaire un tour d'annonce dans le cas où la grossesse se serait arrêtée. Simplement, c'est un choix qui est aujourd'hui une convenance et qui donc n'est pas nécessairement très interrogé par les couples avant de le faire et qui ne les prépare pas, dans le cas d'une fausse couche, au fait qu'ils seront seuls. Ce choix qui est fait et qui est un titre individuel, qui est un choix privé, parfaitement respectable, ne devrait pas être la bonne aubaine pour la société, pour les RH, pour la médecine, pour ne pas du tout regarder de ce côté-là. Ce problème de toujours dire que c'est banal, il n'y a rien d'autre en fait en médecine où on dit aux gens c'est banal, mais quand il s'agit de la fausse couche, tout d'un coup c'est banal. Si c'est banal dans ce cas, si c'est, c'est pas banal, c'est fréquent, c'est vrai, c'est la première raison de visite des unités obstétricales, mais dans ce cas, mais il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir proposé un protocole, mais un protocole basique. Personnellement, ma fausse couche, j'ai été très gentiment accueillie. Hein. Simplement, j'ai été très gentiment accueillie, mais j'ai été aussi renvoyée à la maison sans rien. Alors que si j'avais juste eu les coordonnées d'un psy, quelque chose qui existait, en plus il y avait des choses qui existaient, eh bien ça m'aurait permis de rebondir, de me sentir au moins reconnue. Je pense qu'il faut éduquer, il faut revoir les programmes d'éducation au collège, et puis même avant, voilà. Il faut revoir tout ça parce que ce qui se passe dans l'utérus des femmes n'est absolument pas expliqué dans l'éducation nationale, dans les cours de SVT, etc., etc. Je pense que déjà, si on fait ça, on a à peu près gagné 80% du truc.